gonna bury my burden in the heat of the day. I'm gonna bear, Lord, bear with the word. Yes, I'm gonna bear, Lord, bear the burden in the heat of the day. I'm gonna bear, Lord, bear with the word. Yes, I'm gonna bear, Lord, bear the burden in the heat of the day. Le chant que je viens d'interpréter est un chant de travail directement emprunté à la tradition musicale des work songs, Negro spirituals et gospel que chantaient les esclaves afro-américains dans les plantations de tabac, de coton, d'indigo. Alors, traditionnellement, le chant a toujours rythmé, accompagné la vie des gens. La vie, les grandes étapes de la vie, mais aussi la vie quotidienne, et pas seulement la vie des esclaves afro-américains. En France également, on chantait dans les terres agricoles. Les ouvriers et les ouvrières chantaient dans les usines au début du XXe siècle. On chantait dans la rue, où étaient vendues des partitions, autour desquelles des gens se réunissaient, sans même se connaître, pour chanter. Mais pour revenir à ces esclaves afro-américains qui... j'aimerais rendre un hommage aujourd'hui. On peut se demander pourquoi leurs propriétaires, qui ne leur reconnaissaient aucun droit des plus élémentaires, pourquoi, alors même qu'ils leur déniaient le droit de parler leur propre langue, de savoir lire ou de savoir écrire, pourquoi les laissaient-ils chanter ? Bien, en fait, largement avant l'heure des neurosciences, les propriétaires d'esclaves avaient très justement observé que ces esclaves étaient beaucoup plus résistants à l'extrême dureté des conditions de vie, de travail, aux châtiments, aux privations, lorsqu'ils chantaient. Ils avaient compris avant l'heure que le chant et la musique sont d'extraordinaires boosters de santé. Et aujourd'hui, les travaux en neurosciences, qui s'intéressent à la musique et au chant depuis plus de 10 ans, démontre que le chant et la musique sont de puissants neurostimulateurs et en même temps source d'innovation, notamment dans la médecine, puisqu'aujourd'hui, on utilise le chant auprès des malades d'Alzheimer pour les aider à retrouver un peu de mémoire de travail et de mémoire émotionnelle. On utilise le chant encore auprès des malades atteints d'aphasie pour les aider à récupérer l'usage de la parole. Et ça marche. Chant source d'innovation également dans l'entreprise où nous nous attachons à le ramener aujourd'hui. Source d'innovation managériale, collaborative, technologique. Mais comment ça marche ? Eh bien, ce que l'on sait grâce aux connaissances sur le cerveau aujourd'hui, c'est que chanter ensemble, dès les premières minutes, active la sécrétion de l'ocytocine, qui est l'hormone de la cohésion sociale. Active également la dopamine, l'hormone de la motivation, de la motricité. Active également des endorphines, les hormones de l'apaisement et du bien-être. Mais pas seulement. Le chant active aussi les circuits de la récompense et met en sommeil l'amygdale cérébrale qui gère essentiellement la peur. La peur mise en sommeil, la confiance peut s'installer. Le chant et la musique créent un contexte propice à la créativité. Si je n'ai plus peur, si j'ai confiance, je peux oser me lancer, oser chanter, mais aussi oser produire des idées, me lancer. Et puis, et là, ce ne sont pas les neurosciences, c'est mon expérience et ma croyance. Je pense que le gospel, par l'émotion qu'il génère, ajoute
un petit supplément d'âme et d'émotion qui va peut-être encore plus stimuler l'envie et la créativité. Ainsi, le chant tradition rejoint le chant innovation. Et si le chant a toujours rythmé la vie spirituelle, sociale, laborieuse, il pourrait tout aussi bien aujourd'hui, peut-être, rythmer le moment que nous sommes en train de partager. Je vais vous inviter à vous lever. Vous avez ici les paroles d'un chant très simple qui dit « Victory is mine. Victory today is mine. I feel good deep in my heart. Victory today is mine. » La victoire est à moi. C'est un chant traditionnel du gospel. Victoire, on y met le sens que l'on veut, victoire sur soi-même, victoire sur les événements, sur ce que l'on veut. On va essayer de le partager ensemble, tout simplement. C'est très, très simple, vous allez voir. Les deux premières phrases sont les mêmes. Si vous voulez, on va essayer de le dire d'abord avec des mots, sans le chanter. Victory is mine. Deuxième phrase. Victory is mine. Victory today is mine. I feel good. Deep in my heart. Victory today is mine. Yeah. Alors, en chantant, ça donne. 3, 4. Victory is mine. Super. La troisième. Victory today is mine. Yes. On va reprendre les trois. Victory is mine, victory is mine, victory today is mine. On va le faire tous ensemble à nouveau. 3, 4 et victory is mine, victory is mine, victory today is mine. Ok. I feel good deep in my heart. I feel good deep in my heart. Victory today is mine. Victory today is mine. Deuxième slide. C'est la même chose mais avec joy. C'est la même mélodie. Joy is mine. C'est joy is mine. Joy today is mine. I feel joy deep in my heart. Victory today is mine. Maintenant que vous savez ça, il y a le troisième slide. Super simple. C'est love. Alors la même chose. 1, 2, 3, 4. Love is mine. Love is mine. Love today is mine. I feel love deep in my heart. Victory today is mine. Alors du coup, ben, on va enchaîner les trois avec victory, avec joy et avec love. C'est bon? Mais oui, c'est bon. Si vous êtes super. 1, 2, 3, 4. Victory is mine. Victory is mine. Victory today is mine. I feel good deep in my heart. Victory today is mine. Merci beaucoup. Merci, vous êtes super, Clermont.